Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'identité juive. Qu'est-ce qui la définit ? Comment survit-elle aux affres de l'histoire ? Quel est son rapport à l'ensemble de l'humanité ? Et nous rencontrons aussi à travers la musique, les textes, l'une des expressions de cette identité juive, avec la talentueuse Anne Gravoin et le non moins talentueux Francis Huster, nous écouterons des extraits marquants de cette identité à travers l'histoire juive. On me demande pourquoi je suis juif. C'est à toi que je vais répondre. Mon petit-fils, qui n'est pas encore né. Quand seras-tu assez grand pour m'entendre ? Quand naîtras-tu ? Quand me liras-tu ? Je suis juif parce que, né d'Israël et l'ayant perdu, je l'ai senti revivre en moi, plus vivant que moi-même. Je suis juif parce que la foi d'Israël n'exige de mon esprit aucune abdication. Je suis juif parce que la foi d'Israël réclame de mon cœur toutes les abnégations. Je suis juif parce qu'en tout temps où crie une désespérance, le juif espère. Je suis juif parce qu'en tout lieu où pleure une souffrance, le juif pleure. Je suis juif parce que la parole d'Israël est la plus ancienne et la plus nouvelle. Je suis juif parce que la promesse d'Israël est la promesse universelle. Je suis juif parce que, pour Israël, le monde n'est pas achevé. Les hommes l'achèvent. Je suis juif parce que, pour Israël, l'homme n'est pas créé. Les hommes le créent. Je suis juif parce qu'au-dessus des nations et d'Israël, Israël place l'homme et son unité. Je suis juif parce qu'au-dessus de l'homme, image de la divine unité, Israël place l'unité divine et sa divinité. J'ai devant moi le rabbin Moshe Sobag. Bonjour Moshe. Bonjour Steve. C'est le grand rabbin de la synagogue de la rue de la Victoire à Paris. Et pour cela, j'aurais aimé vous poser quelques questions sur l'identité juive selon vous. Dans votre idée, dans votre pratique, dans votre quotidien, dans votre histoire, dans votre parcours, qu'est-ce qui définit l'identité juive ? Lorsque Moïse se trouve devant le buisson ardent, et Dieu lui dit qu'il va libérer le peuple d'Israël, il refuse en disant qui je suis. Évidemment, je suis sûr, lorsque vous écoutez cette citation, vous pensez de l'humilité de Moïse. Qui je suis pour aller libérer des plus grands dirigeants ? C'est vrai. Mais Moïse y pose la question, qui je suis ? Car il est né au sein d'une famille hébreu, mais élevé
dans le palais égyptien. Alors, est-ce que je suis hébreu? Est-ce que je suis égyptien? Puis, il devrait prendre la fuite. Il se trouve dans le pays de Midian. Il se marie avec Tsippora, son beau-père, Yitro. La plupart des temps, il passe à Midian. Est-ce que Moïse est midianite? Qui je suis? Est-ce que la science peut vous répondre à cette question? Qui je suis? La science nous montre des inventions fabuleuses. On comprend les pourquoi. Mais est-ce que ça peut définir votre identité? Est-ce que la démocratie a développé l'identité de ses habitants? Qui je suis? Et Dieu lui dit, lorsque tu iras parler avec le peuple d'Israël, vous allez dire, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui m'a envoyé vers vous. Il a promis que vous allez sortir d'ici. Et puis, les discours de Moïse n'est pas un discours de triomphe de la sortie d'Égypte. Il dit au peuple d'Israël, vous vous racontez à vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, tous les jours dans la prière, nous lisons dans les passages de Shema Israël, vous allez étudier le matin, les soirs, dans le chemin, vous allez enseigner vos enfants. Une identité faite par une transmission, savoir qui je suis. Il y a un danger aujourd'hui que le monde occidental veut fonctionner seulement par la raison, un raisonnement. Mais il y a une tradition. Est-ce qu'on ne risque pas de perdre l'humain dans tout ça? Vous m'avez dit nation. Si on parle d'un peuple, c'est une nation. Mais c'est aussi pas nation parce que juif est celui qui n'habite pas aussi en Israël. Est-ce que c'est une religion? Oui, c'est une religion parce que nous avons un événement fondateur au mont Sinaï. Dieu s'est révélé à ce peuple. Et puis, il donne des commandements. Et nous croyons, mais nous croyons différemment. Mais je ne peux pas définir la croyance intime. Et celui qui dit que je ne crois pas, il ne perd pas son identité juive. La religion nous demande de pratiquer plus que croire. Parce que la croyance est intime. Ce n'est pas un dogme, la religion juive. Alors on parlait, peut-être c'est une nation. Oui, c'est aussi une nation. Peut-être c'est une religion. Oui, c'est aussi une religion. Le spectre est très large. Mais surtout, ce qui est important ici, ce que le judaïsme a mis en centre, c'est l'humain. Thank you.
Et les Hébreux marchaient guidés, la nuit, par six colonnes de flammes, et le jour par six colonnes de fumée. Et cela se passait en des temps très anciens, lorsque les tribus des Hébreux se harassaient à travers la Palestine, vers la terre promise. Mais il y a bien peu de temps, sur le plateau de Haute-Silésie, les tribus des Hébreux, de partout, de France, de Russie, de Tchéquie et de Belgique, pouvaient voir s'élever le jour, six colonnes de fumée. Et cela représentait s'élançant vers le ciel les âmes des enfants, des vieillards, des femmes et des hommes brûlés, morts et vifs dans les fours crématoires. Et parmi ces Hébreux, 11 mois, j'ai vécu. J'ai vécu, si l'on ose dire, car nous étions littéralement morts vivants. Maintenant que tout cela est fini, et bien fini, je me demande parfois si je n'ai pas rêvé d'être descendu une nuit chez Satan, et si cette nuit ne m'a pas semblé durer un an. Parfois, maintenant que je fais à nouveau partie du monde civilisé, ou qui prétend l'être, je me demande si je ne vais pas me réveiller en habit rayé au bagne. Je me demande si cela est vraiment fini. Cependant, je suis sorti des enfers. Si j'ai échappé à la fureur des démons, ceux qui m'ont donné le jour, ceux dont les veines étaient gonflées du sang qui bouillonne dans mon cœur, ceux-là ont péri dans cette fournaise ardente qui, 3 années durant, ne s'est jamais éteinte. Alors, le soir, au lit, lorsque tout dort, je pleure. Je serre les poings et les dents. Et au lieu de regarder la misère passer, je regarde la page lumineuse et blanche que l'avenir ouvre devant moi. Et je veux y inscrire une vie sûre et droite. Je veux vivre, aimer, bâtir, servir, aider tout de même. Jacques Lubetzky s'est suicidé le 20 novembre 1950 à Paris. Il avait 22 ans. À quoi tenait cette haine du juif que rien n'apaise, qui existe depuis qu'existent les juifs, qui durera sans doute quand qu'ils dureront? Je résolus de trouver la cause incontestable de l'antisémitisme. J'ai dû écarter nombre de mythes connus.
J'ai dû exclure l'antisémitisme prétendu chrétien. Les juifs sont juifs. Ils veulent rester juifs. Toujours. Partout. Même malgré eux, ils restent juifs. J'en étais venu à penser que l'antisémitisme n'a qu'une cause véritable. La prétention des juifs à être juifs. Alors, durant des siècles, en tout lieu où ils vivent, les héritiers du judaïsme persécutent les juifs. Mais si grande que soit leur misère, si nombreux que soient leurs exils, une providence, en chaque siècle, leur ménage un abri. Et maintenant, mon enfant, tourne-toi vers ce passé. Et réfléchis. Regarde. On ne reproche aux Juifs qu'une chose. Et malgré tous les mensonges et tous les meurtres qui l'accompagnent, ce reproche est justifié. Ils veulent être juifs. Et dis-moi si, dans cette histoire unique, tu ne sens pas l'éternelle présence d'une pensée et d'une volonté qui ont dicté à ce peuple sa tâche, qui en ont rendu possible l'accomplissement en l'éprouvant par la souffrance et en le sauvant dans les épreuves, en le guidant pas à pas de son passé douloureux à son triomphant avenir. Pour moi, mon enfant, qui ai si longtemps cherché la preuve de l'existence de Dieu, je l'ai trouvée dans l'existence d'Israël. Quand vous me dites dans le monde d'aujourd'hui, si on oublie la tradition, on risque de perdre la valeur humaine. Est-ce que pour vous, ce qu'on peut appeler les commandements sont des valeurs, des socles, des choses qui nous ancrent, et qu'aujourd'hui ces valeurs-là sont en train, un peu dans un monde très moderne, de disparaître, et que le danger est là pour vous? Je donne deux exemples, deux principes qui, pour moi, font une de fondations pour nous. La médisance. Il y a un interdit dans la Torah d'aller colporter ou de parler de l'autre. Sans qu'il soit au courant ou derrière son dos. Celui qui fait ça, qu'est-ce qu'il veut? Il veut isoler un homme de la société, n'est-ce pas? La sanction dans la Torah est d'isoler ce monsieur qui parle. Il reste tout seul pendant 7 jours, dehors, pour qu'il puisse comprendre que veut dire d'aller parler et essayer d'isoler l'autre. Ça peut enlever la liberté de l'individu, lorsqu'on parle de l'autre, de ne pas blanchir le visage de l'autrui, faire honte. Dans la Torah, Judas a rencontré Tamar sur le chemin. Tamar devait se marier avec les troisième fils de Judas, Shéla, parce qu'elle a été déjà mariée avec les deux premiers fils. Judas avait peur qu'en mariant avec les troisièmes, il va le perdre aussi. Mais l'histoire est belle parce qu'elle a séduit Judas. Elle était enceinte. Mais le moment qu'il avait le rapport entre Judas et Tamar, Judas n'avait pas d'argent. Il lui donne des gages. Il lui donne des affaires pour garantir
Et puis, lorsque Judas découvre qu'elle est enceinte, il a dit, il faut l'exécuter. Et Tamar ne le dit pas, c'est toi, devant tout le monde. Elle dit, voilà, j'ai un gage ici, à celui qui s'appartient, celui le père. Et il reconnaît. Elle n'a pas fait honte à Judas. Et voilà, c'est un exemple de deux principes éthiques du judaïsme qui est important. Ça veut dire la valeur. Le valeur fait revivre tous les restes. Fait revivre la démocratie, fait revivre la science. Il ne fait pas fonctionner seulement par un raisonnement sec. Existe-t-il, selon vous, une diversité d'identité juive? Le peuple d'Israël est fait par la diversité. Même au sein des gens qui sont religieux, il y a plusieurs écoles. Il y a du chassidisme, il y a des lituaniens. Et même dans les chassidim, il y a plusieurs sortes de chassidisme. Et il y a des athées, il y a des laïcs qui apprennent le Talmud. Chacun trouve son chemin. Mais l'importance, ce n'est pas nier l'autre qui pense différemment, parce que il y a l'humain. Il y a l'humain devant vous. Il est créé par Dieu. Mais seulement, il est différent. Dieu, c'est Abraham qui commence cette révélation de Dieu d'aimer ce qui est différent de vous. Et c'est ça qui est important. Tout au long de la Torah, aimer l'étranger. Aimer l'étranger, ça peut être un converti. 36 fois dans la Torah, car vous étiez étranger. Ça veut dire, l'autre, surtout lorsqu'il est devant vous, sache qu'il a été créé à l'image de Dieu. Vous devez le respecter. Et il a son chemin de retour, mais chacun fait son chemin. Dans toute cette richesse qui est d'accepter l'autre et de l'accepter dans ses différences, comment, à votre avis, on peut préserver l'identité juive, aussi différente soit-elle, d'être humain en être humain? Y a-t-il plusieurs manières de le faire, même pour quelqu'un qui est en dehors de toutes les traditions? Je ne parlerai même pas de la pratique. Il y a des réveils tardifs, des fois. C'est-à-dire que des gens, en avançant dans le temps, en avançant dans l'âge, en avançant dans leur histoire, tout d'un coup, il y a un moment où on s'égare, il y a un moment où on ne sait plus, il y a un moment où on se remet en question et on se dit, il faudrait peut-être que je me souvienne d'où je viens pour savoir où je vais maintenant, forcément. Oui. Mais pour garder cette identité juive, aussi disparate soit-elle, et on le voit quand on va sur la terre d'Israël, où les gens vivent les uns côté des autres et ils ont une façon de vivre qui des fois est à l'opposé, mais pourtant ils vivent ensemble et ça se passe. Et ça se passe bien. Oui. Donc, pour vous, pour préserver cette identité juive? Préserver l'identité juive, c'est... Ça doit passer par une pratique, quelque part. On pratiquait quelque chose. Les traditions? Les traditions. On a besoin de la tradition. Mais les traditions sont très, très belles. Elle est belle, elle est vaste. Elle est très très belle. C'est-à-dire que la tradition de Shabbat, moi, qui suis beaucoup moins religieux que vous, par exemple, c'est d'inviter des gens qu'on aime, de partager le repas avec eux, oui, autour de la table, de boire, de manger. Et même si on n'est pas du tout dans le même univers, c'est une façon de rester attaché à sa famille de cœur. La tradition a permis à installer, ancrer, inculquer l'âme d'identité. Je ne parle pas d'être religieux, mais une identité. Aller au mariage, tout simplement. Je pouvais commencer à faire le repas shabbatique, mais il y a des gens qui ne le font pas. Aller dans un bar mitzvah d'un cousin. Il y a des gens qui sont juifs parce qu'ils sont allés dans un bar mitzvah. Ils ne pratiquent rien. Ah oui, en fait, bar mitzvah, dans le judaïsme, il y a par exemple... des gens qui habitent en province, dans un petit village, des juifs qui n'ont pas la possibilité d'aller à la synagogue et avec le temps, ils se sentent éloignés parce qu'ils n'avaient
aucune éducation, mais l'occasion des fêtes les a permis à rencontrer leur identité, les développer. Et comme vous avez dit, l'homme, dans le voyage de temps, il passe en lui beaucoup de décisions et pour aller vers, pour s'éloigner. Et c'est, on peut dire que la pratique religieuse, la tradition nous aide pour garder une identité aussi. Je me pinçais le visage. Vivais-je encore? Étais-je éveillé? Je n'arrivais pas à le croire. Comment était-il possible qu'on brûlât des hommes, des enfants, et que le monde se tue? Non. Tout cela ne pouvait être vrai. C'est un cauchemar. J'allais bientôt m'éveiller. En sursaut. Le cœur battant. Et retrouver ma chambre. Ma chambre d'enfant. Et mes livres. La voix de mon père m'arracha à mes pensées. Dommage. Dommage que tu ne sois pas allé avec ta mère. J'ai vu beaucoup d'enfants de ton âge aller avec leur mère. Sa voix était tellement triste. Je compris qu'il voulait ne pas voir ce qu'on allait me faire. Il ne voulait pas voir brûler son fils unique. Une sueur froide couvrait mon front, mais je lui dis que je ne croyais pas qu'on brûlât des hommes de notre époque, que l'humanité ne l'aurait jamais toléré. L'humanité? L'humanité ne s'intéresse pas à nous. Aujourd'hui, tout est permis. Tout est possible. Même les fours crématoires. Sa voix s'étranglait. Père. Et lui dis-je, si l'on est ainsi, je ne veux plus attendre. J'irai vers les barbelés électrifiés. Ça vaut mieux qu'agoniser durant des heures dans les flammes. Il ne répondit pas. Il pleurait. Son corps était secoué d'un tremblement. Autour de nous, tout le monde pleurait. Quelqu'un se mit à réciter le Kaddish, la prière des morts. Je ne sais pas s'il était déjà arrivé dans la longue histoire du peuple juif que les hommes récitent le Kaddish, la prière des morts, sur eux-mêmes. Yid Kadal, Vayed Kadash, Shemaraba. Thank you.
Cher découvreur de ces écrits, j'ai une prière à te faire. Vois-tu, un jour, ton cœur gelé se réchauffera peut-être à leur feu et fondra. Et les mains froides, les mains glacées, viendront ici éteindre ces flammes. Cet enfer, qu'il brûle à jamais, et quoi que soit dévoré dans ces flammes, ceux qui l'ont allumé. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est fondamental aussi, et vous me direz si vous êtes d'accord, c'est la culture. C'est-à-dire que le mélange de culte et de culture fait que tout d'un coup, il y a quelque chose de très fort. C'est d'abord une mémoire sensorielle, une mémoire des mots, une mémoire des destins, une mémoire des histoires. Un exemple, on écoute une musique juive qu'on a entendue inconsciemment dans son enfance. On relit un passage d'un texte de Primo Levi ou de quelqu'un qui a eu un destin incroyable, d'Eti Lissoum, d'Alfred Nakache, d'Anna Senech, d'Anna Arendt. Oui. Est-ce que, pour vous, et vous me direz si vous vous retrouvez dans ce que je dis, il n'y a pas aussi ça? C'est-à-dire que tout d'un coup, on peut écouter une musique qu'on a entendue dans son enfance ou que ses grands-parents ou ses arrière-grands-parents ou ses parents écoutaient, ou tout d'un coup, on entend quelques mots, un verset, un psaume, un texte très fort, et on se dit, mais j'ai... C'est mon identité, en fait. C'est comme ça que des Juifs qui sont trouvés dans la persécution, qui, malgré eux, étaient éloignés de la religion, se rappelaient d'une mélodie de leurs enfances. Et d'un coup, ils se trouvent. Il y a des dizaines et des dizaines d'histoires pendant la Shoah. Des enfants qui avaient en mémoire la chanson que leur père et leur mère les a chantée. Et ils étaient cachés pendant la guerre. Et puis plus tard, je connais cette chanson. La mémoire sensorielle. C'est-à-dire que tout d'un coup, à travers une musique, à travers des paroles, à travers une prière conjuguée en musique, tout d'un coup, il y a toute son enfance qui revient. Et donc, je pense sincèrement que souvent, quand on a des soucis avec son identité ou quand on est en conflit avec son identité ou son éducation, la culture qui se mélange au culte peut aider à réparer ça. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, ça fait une ensemble. La culture accompagne les cultes, la spiritualité, mais aussi on met en œuvre la spiritualité avec la culture. Bien sûr, parce qu'on s'aperçoit que même en plein milieu de camps de déportation, tous ces hommes et ces femmes déportés, alors qu'ils risquaient la mort parce que les soldats allemands avaient pour ordre de les abattre sur le champ, s'ils dessinaient, s'ils composaient de la musique ou s'ils écrivaient, aucun d'entre eux n'a fait abstraction de ça. Tout le monde a écrit, tout le monde a peint, tout le monde a composé de la musique parce que c'était une façon pour eux de laisser quelque chose. C'était une façon pour eux de pouvoir regarder la vie plus belle qu'elle ne l'était. Et quelque part, aujourd'hui, j'ai le sentiment que quand quelqu'un peut écouter un texte d'un auteur, que quand quelqu'un écoute une musique, même si elle est loin dans son souvenir, ça le reconnecte à ce qu'il est intrinsèquement. C'est-à-dire que quand aujourd'hui on entend un morceau, par exemple, d'Yitzhak Perlman, alors qu'on n'a depuis longtemps plus aucun rapport avec son identité, on peut être touché en plein cœur. C'est intéressant parce que vous parlez de la diversité, surtout de l'identité. Ça devient à la fin une harmonie, oui. Mais chacun a un attache différent avec la religion. Bien sûr, bien sûr. Et surtout, après, on utilise ce terme « peuple élu » dans la propagande antisémite. Et la vraie définition du peuple élu, pour vous, c'est quoi ? Un peuple élu,
Ce n'est pas un peuple qui a décidé d'être élu ou le meilleur. Ce n'est pas la définition. Mais c'est un peuple qui a une conscience des responsabilités et que tout ce qui se passe dans le monde, ils sont coupables. Pourquoi on n'a rien fait ? Même que cela se passe à l'autre bout du monde. L'hébreu, les juifs, il dit « mais qu'est-ce que je pouvais faire ?» Et lorsque on parle dans le judaïsme de cette élection, souvent on le voit qu'il s'agit d'une obligation que nous avons vis-à-vis de l'autre. Des responsabilités. Responsabilités. Éthique. Le judaïsme, c'est une pratique, mais il y a l'éthique. L'éthique fait une partie très importante. C'est un pilier du judaïsme. Lorsque il est écrit que le respect de l'autre doit être aussi important comme le vôtre, lorsqu'on apprend que qui est le sage, celui qui apprend de tout le monde, lorsqu'on apprend que la meilleure façon d'être homme heureux dans son travail, c'est de travailler dur et d'être heureux de ce que vous avez sans regarder ce que l'autre a. Qui je suis, parce que si je ne sais pas ce que je suis, je ne pourrai pas aider l'autre. Parce que d'abord, développe ce que vous êtes pour aider aux autres. Et le moment que vous comprenez, ne laisse pas que pour vous. Il faut donner de ce que vous savez faire à votre entourage. Oui. Et ne dites pas « je donnerai demain ». Si vous n'allez pas faire aujourd'hui, vous ne ferez jamais. Tout cela, on voit, c'est des concepts d'éthique juive. Il y a encore des dizaines et des dizaines de concepts comme ça, de l'éthique juive. Essentiellement, ils sont écrits dans les Maximes de Père. Et c'est la fondation de notre religion avec la pratique religion. Ça veut dire que vis-à-vis de l'humanité, nous avons une responsable d'être exemplaire au plan éthique. C'est pour ça que cette émission-là s'appelle l'étoile au cœur. Parce que je pense que d'avoir la responsabilité, d'avoir l'humilité et d'avoir le besoin sans cesse d'éduquer et de transmettre, je pense que c'est la valeur d'un juif, religieux ou pas. Et c'est pourquoi, au travers de cette émission, nous avons entendu des textes, écouté des musiques, disséqué vos propos sur l'identité juive, parce que ce qu'il y a d'incroyable dans ce qu'on peut appeler le peuple élu, c'est que de toutes ces épreuves, depuis le commencement, il n'est resté que des musiques, que des inventions, que des textes, que des prix Nobel, que des exemples, qu'une éthique à toute épreuve, et qu'il faut que cela continue. Donc je vous remercie, Rabbin Moshe Sobag, de nous avoir éclairé sur l'identité juive, selon un grand rabbin. Merci. Merci, Steve. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt.